Non, Piantoni plutôt, plus exactement, pardon, qui vient de passer la balle. Et c'est un coup de sifflet d'Alenzi, de monsieur Alenzi, l'arbitre. Un coup franc en faveur de Reims, botté par Wendling, semble-t-il. Müller. Oh, très joli! Piantoni, vous le voyez, vient de marquer le premier but pour Reims et d'égaliser à la cinquième minute de la deuxième mi-temps. Vraiment, le gauche de Piantoni là n'a pas pardonné, il était très bien placé et il est remarquablement parti dans le coin droit des buts de Blacklow qui n'a absolument plus rien fait. Un but partout donc entre Reims et Burnley, 5 minutes après la deuxième mi-temps, mais il faut que Reims marque encore 2.